celui qui croit est debout. Fasse attention pour ne pas tomber. Laissez le mauvais vent passer. Bonjour, chers tous. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous voici une fois de plus pour parler du mariage. J'ai décidé de dédier cette semaine pour parler du mariage. Parler du mariage, pourquoi? Parce que toute ma vie, j'étais un conseiller matrimonial. J'étais quelqu'un qui avait ce don pour unir des personnes. J'étais quelqu'un qui avait ce don pour mettre des gens ensemble. Même lorsqu'il y a le conflit, c'est un don que j'avais. Que ce soit pour mes aînés, que ce soit pour mes amis, je le faisais toujours et c'était très facile pour moi. Mais un fameux jour, je suis allé arranger le mariage d'un ami. Je suis allé résoudre leur problème. Ils étaient arrivés à nouveau. Oh, le monsieur voulait tuer la femme. Il était prêt à tuer la femme. Parce que le problème qui les séparait était très grave. C'était un problème d'infidélité. Je vous assure. C'est ce jour que j'ai su, j'avais un don pour réunir les personnes. J'ai résolu le problème. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Ils ont même eu d'autres enfants après. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque je suis rentré chez moi, je n'ai pas fait 2 semaines. Mon épouse et moi, on s'est séparés jusqu'à aujourd'hui. Chers téléspectateurs, chers tous, lorsque un couple se sépare, l'homme va chercher à blâmer la femme. La femme va chercher à blâmer l'homme. Non, tout ça, c'est le film. Je le dis aujourd'hui en souriant. Parce que j'ai beaucoup appris du mariage. Pas lorsque je t'ai marié, mais durant ma séparation. J'ai beaucoup appris du mariage pendant ma séparation. Et pour comprendre ce qui fait tenir des mariages ou séparer des personnes, il a fallu que j'accepte certaines choses, que j'accepte certaines faiblesses. Je n'arrivais pas à accepter. Téléspectateurs, chers tous, je vais vous dire quelque chose. On a l'habitude de dire des choses, de sortir des théories, de parler d'un côté. Pour qu'un couple marche, il faut la femme. Ce sont nos théories africaines, je vais vous dire. Ce sont nos théories africaines. Pour qu'un foyer marche, il faut que la femme et l'homme travaillent. Pour qu'un foyer marche, je ne vais pas vous mentir. On a l'habitude de dire que c'est l'homme le moteur, mais je ne vous mens pas. Que c'est la femme qui fait marcher le foyer. On dit, lorsque la femme est humble, ceci, cela. Chers hommes, soyons, passons aux aveux. Si vous cherchez une femme humble, ne vous mariez jamais. Dans toute ma vie, je n'ai jamais vu une femme humble. Ça n'existe pas. Il y a des femmes qui font semblant d'être humbles. Les femmes humbles n'existent pas. La femme peut être hypocrite. La femme humble n'existe pas. Elle va vous dire pourquoi. Les femmes ne sont pas humbles. Les femmes peuvent vous respecter, mais quand on parle d'humilité, la femme, lorsqu'elle épouse un homme, nous des hommes, après le mariage, nous devenons très dépendants de nos épouses. Donc on perd nos forces, on transforme nos forces, on envoie vers nos épouses. Nous devenons dépendants à presque 80% de nos épouses. Je vous assure. Oui. Nous devenons dépendants de nos épouses. C'est une réalité. Il y a des choses qu'on réalise quand on est seul. Dès qu'on se marie, si le mariage là se gâte, on ne n'arriverait plus à réaliser ce qu'on avait réalisé quand on était seul. On détruit plus de tout. Je vais vous expliquer quelque chose. Depuis 2019, après ma séparation avec mon épouse, j'ai sorti des théories. J'ai écrit un livre parce qu'elle décide de quitter le Cameroun. J'étais sous le choc de la séparation, les multiples moqueries, les multiples challenges, parce que je vous assure, après la séparation, il y a une destruction totale. J'ai eu des difficultés pour travailler, pour un homme d'affaires, pour des fonctionnaires, ils vont sentir le goût même, mais ils ne vont pas sentir certaines choses que nous, les hommes d'affaires, nous sentons. Je vous assure, j'ai perdu la main dans tout ce que je faisais. Au point où l'un de mes meilleurs techniciens, quand je dis l'un de mes meilleurs, parce que parmi vos techniciens, il y a votre successeur que vous formez, qui va prendre après vous. Parce que j'ai quitté rien au travail. J'ai laissé rien au travail. Je voulais me concentrer, rien que dans des affaires
et dans ma voie pastorale. Parce que je m'étais dit, à 40 ans, je vais rentrer dans le pastorat, puisque je vais arrêter beaucoup de choses. Je comptais déjà arrêter le travail, le business. Je voulais arrêter beaucoup de choses à 40 ans, puisque j'avais bien amassé. Puis j'avais fait certaines économies, sachant que je vais me concentrer dans le spirituel, laisser un peu le technique, parce que j'avais formé assez de techniciens. Et j'avais déjà quelqu'un même qui veut me gérer toutes mes structures. Je devais juste me concentrer sur certains petits contrats. Quand je gagne le contrat, je donne à mes techniciens. Après que mon mariage se gâte, ou je ne sais pas, pas seulement de l'épouse, la femme, mais les enfants. Et pas avec des enfants. Je vous assure, c'est un moment très dur dans ma vie. Mais pendant ce moment dur, je suis sorti avec quelque chose. Il y a de cela juste quelques mois, j'ai compris ça. Pour moi, c'était un mystère. J'ai des fioles, j'ai des enfants que j'ai formés spirituellement qui sont très forts. Une m'a dit, Daddy, je peux faire revenir la mère. Je lui ai dit que ce n'est pas faire revenir qui est le problème. Mais je dois savoir pourquoi mon mari a s'est gâté. Je dois savoir. On a l'habitude de dire la femme c'est l'argent, la femme c'est le sexe fort, tout ça. Si la femme reste au mariage ou reste en mariage à cause de l'argent, pourquoi les femmes des riches parlent? Je n'étais pas pauvre. Pourquoi les femmes des riches qui le voyaient? Posez-vous cette question. Donc, ou bien, je vous pose encore une autre question. Est-ce que des hommes pauvres ne se marient pas, qui n'ont même rien, que la femme même est financièrement plus stable qu'eux? Ils se marient. Pourquoi ces femmes ne quittent pas ces hommes qui n'ont pas de sous? Ça veut dire que le problème même du mariage, ce n'est pas l'argent. Oui. Sinon, les pauvres, les personnes démunies qui ne travaillent pas, leurs femmes devaient tous partout partir. Oui. Oui, je vous assure. Puisqu'on sort des théories, puisque juste après ma séparation, Bill Gates s'est séparé. Juste après ma séparation, Dangote s'est séparé. Mais c'était des hommes riches. C'était des hommes riches. Pourquoi leurs épouses sont parties? Il y a eu un blanc Bill Gates, il y a eu Dangote. Pourquoi elles sont parties? Et je vous assure, quand je partais, c'est le moment où je partais m'installer à Dubaï, faire mes business, oublier tout, oublier le Cameroun, puisqu'après mon mariage, même mes structures, j'ai tout vendu, je suis parti. Je n'arrivais pas à supporter cette solitude, je n'arrivais pas à supporter ce chaos, parce que un chaos pour moi. Et j'avais même laissé le ministère, j'avais dit que je ne pêcherais plus jamais, parce qu'elle était mon partenaire des conférences. C'est elle qui préparait toutes mes conférences. Quand je devais aller prêcher, quand on m'invitait pour des conférences, des mariages, des jeunes, tout ça, elle était mon interprète. Donc je n'ai pas pu digérer le fait. C'était un chaos pour moi. J'ai décidé de quitter le pays, aller m'installer à Dubaï. Et au cours du voyage, j'avais tellement le goût même que j'ai écrit un livre, je vous assure. J'ai écrit un livre de 13 chapitres en 2 jours. Parce que j'avais pris le vol à partir de Douala. On est allé à Malabo, il y a eu des problèmes, on nous a logés à l'hôtel. Je pense qu'on a dormi une ou deux nuits à l'hôtel. Je ne me rappelle plus. Je pense que c'était avec Ethiopia, quelque chose comme ça. Donc j'avais tellement le goût, je vous assure. Je sentais mal. Les gens s'étaient tellement moqués de moi. J'ai cherché ce mystère. J'ai demandé pourquoi est-ce que mon mariage s'est gâté. Cela a toujours été une équation. J'ai écrit un livre, The Secret of a Happy Home, a Humble Wife. My Odyssey in Marriage. Ça ne veut pas résoudre le problème. Je m'étais fait des idées, je m'étais réconcilié, je m'étais concilié des idées dans la tête. Mais ce n'était pas la raison. Aujourd'hui, j'ai compris la raison. Et pour comprendre la raison, il a fallu passer aux aveux avec moi-même. Il a fallu être honnête avec moi-même. Quelque part, nous les hommes, nous faisons ce qu'on appelle du faux-comme. Sans s'en rendre compte. Surtout nous les hommes africains, nous entrons dans le fuck up sans nous en rendre compte. Quand je parle du fuck up, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose, chers tous. Les femmes paraissent compliquées,
mais elles ne sont pas aussi compliquées comme nous parlons, comme nous pensons. Il y a une chose, en tant qu'un pasteur, j'avais compris cela. Puisque à un moment, quand je suis arrivé en France, puisque je quitte Dubaï, je viens en France pour continuer mes études, pour faire quelques formations, faire quelques recherches. Quand j'arrive en France, puisque quand j'étais à Dubaï, je ne voulais pas de contact avec le spirituel. Quand je commence à faire mes podcasts, il y a de cela peut-être 3 mois, sur la spiritualité consent, des personnes continuent à me contacter, et c'est surtout les femmes. Je commence à comprendre certaines choses. Toutes les femmes, elles avaient un même problème. Les femmes non mariées veulent se marier, certes. Les femmes qui n'ont pas d'enfant veulent l'enfant. Je parle d'un couple, une femme qui est mariée, elle a l'enfant dans son foyer. Chers tous, je vais vous dire quelque chose. Passons aux aveux. Nous, les hommes africains, on néglige nos épouses pour mettre en priorité nos amis, nos femmes. Pardon, nos amis, parfois nos familles, ou parfois même nos amis, notre travail. Je vais vous assurer, la femme a besoin d'une seule chose dans sa vie, dans son mariage, comme mariage. Je vais vous donner plein d'exemples. Même si l'homme est infidèle, la femme ne va pas quitter ses cette chose. Même si l'homme est pauvre, la femme ne va pas quitter ses cette chose. Même si l'homme est fidèle, la femme peut toujours quitter ses cette chose manque. Même si l'homme est riche, la femme peut toujours quitter cette chose manque. Chers frères, les femmes ont besoin d'une seule chose. Cette chose, c'est quoi? La femme a besoin de l'attention. J'ai compris quelque chose là-bas. Les femmes ont besoin d'une seule chose. Les femmes ont besoin de l'attention. Chers hommes, je vous assure, si vous voulez vous marier, si vous voulez avoir un bon foyer stable, tous les mariages ont des défis, on va le dire. Mais si vous voulez avoir le minimum de stabilité, ou la stabilité, soyez prêts à sacrifier 50% de votre temps pour votre épouse. J'ai dit 50% de votre attention dans tout ce que vous faites, que ce soit sur vos épouses. Je vous assure. Je vais vous prouver. Jean d'abord dans la Bible. L'histoire d'Adam et Ève, c'est un mythe pour certains. Je refuse pas, je ne suis pas là pour discuter de ça. Mais je vous pose une petite question. Qu'est-ce qui a fait à ce que Ève trompe son mari? Quand il dit tromper, écoutez un autre homme, hein? Écoutez un peu une autre 16 personnes. C'est parce que Adam avait manqué de l'attention. L'attention, c'est le problème de toutes les femmes. Ce n'est pas l'argent. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que les femmes écoutent beaucoup nous, les pasteurs? Parce que ce sont les femmes qui m'ont fait constater ça. Toutes les femmes qui venaient, j'ai analysé quand j'étais au Cameroun. Je conseille les femmes. Quand j'étais en Europe, mais j'ai. C'était plus facile pour moi pour analyser parce que j'avais une compréhension un peu européenne. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai étudié les mariages européens. Je ne vous mens pas. Puisque le mariage pour moi a toujours été un défi. J'étais arrivé à un niveau jusqu'à dire je ne me mariais plus jamais. Puisque c'était un choc pour moi. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que mon épouse m'a quitté? J'ai eu la réponse une fois en Europe. Nous croyons toujours que le problème de la femme, c'est l'argent. Non. Non. Ça peut être tombé sous la tension financière. Mais le problème de la femme, en grosso modo, c'est la tension. Chers hommes, mettons en place un minimum d'attention envers nos épouses. L'attention voudrait dire quoi? On lui donne juste le minimum, pas trop d'argent. Parce que si mon mariage s'est gâté, je vais l'avouer. C'est à un moment où je cherchais un marché, il y avait un marché qui allait me rendre milliardaire. J'avais un projet pour construire l'hôtel. J'avais un marché, je courais derrière. Un gros marché. Avec l'État. Mais je me suis donné trop d'attention dans le mariage. J'ai pris toute mon attention que j'avais envers ma famille. C'est-à-dire mon épouse et les enfants. Oui. J'ai mis ça au travail pour gagner ce marché. Je suis technicien. Concevoir le projet, faire tout ceci, les faisabilités et consorts, tout ça. Première chose, mon travail. Deuxième chose, j'étais dans ma formation pastorale. Ça me prenait beaucoup de temps. Troisième chose, j'avais ma structure que je gérais. Et avec des techniciens, ce n'est pas facile. Quatrième chose, j'avais mes marchés que je devais gérer. Cela m'a fait, je me suis enivré dans le travail. Je vous assure, j'étais devenu moins attentionné.
c'était pendant la naissance de mon garçon, avant la naissance. Vous savez que la naissance des garçons vient avec beaucoup de troubles. C'était pendant ce moment. J'ai perdu la main sur mon foyer. Puisque quand vous n'êtes pas attentionné, quand vous ne conseillez pas votre épouse, quand vous n'êtes pas attentionné pour écouter ses problèmes, son attention part dehors. Toute personne qui est dehors hors du foyer, c'est un diable, je ne vous manque pas. La femme n'a pas la capacité de réflexion de l'homme. La femme est un être émotif, un être émotionnel. Là, si votre épouse tombe sur un mauvais conseil, c'était mon cas, c'est fini. Et quand vous vous séparez, vous savez que les femmes ont le don de mensonge. Les femmes ont le don de fabrication. Les femmes sont les pleurmèques à pleurer. D'autres flasques. Les mensonges entrent. Les interventions entrent. On vous rappelle le jour où vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Alors que si j'avais mis un peu plus de temps pour l'attention, mon mari ne serait pas gâté. Donc, chers hommes, je vais vous expliquer certaines choses. Donnons un peu plus d'attention à nos épouses. Je vous assure, je suis un pasteur. Je suis un conseiller matrimonial. Je suis à quelqu'un en qui les femmes se sont beaucoup confiées. Si j'ai reçu 10 femmes mariées, les 10 femmes se sont plaintes des mêmes choses. L'attention, c'est quoi? C'est-à-dire savoir comment la journée de votre épouse s'est passée. Savoir comment elle gère ceci, elle gère cela. Deux, les complémentarités. Le corps des femmes change par rapport au corps des hommes. Quand une femme vient se plaindre chez vous, quand un homme dit à sa femme, tu as trop pris du poids, tu es laide, c'est que vous ne connaissez pas ce que ça cause. Je vous dis, une femme est venue chez moi, elle pleurait que son mari lui a dit qu'elle est laide. Quand vous allez juste dire qu'elle a pris du poids, elle va entendre qu'elle est laide, elle est grosse, elle est ça, elle va entendre tout. Je vous assure. Une autre femme était venue se plaindre que son mari a dit que ses seins sont tombés. Yay! Yay! Même nous les hommes ont fait faux. Mais si les seins de votre épouse tombent, c'est parce qu'elle donne la maternité à vos enfants. Nous les hommes, soyons un peu plus attentionnés. Je sais que c'est difficile. La femme est un être hormonal, oui. Mais avec un peu plus d'attention, on peut décrocher, on peut enlever ses complexes. Je vous assure, la femme ne s'accroche pas envers l'homme parce qu'il a trop d'argent. La femme ne s'accroche pas envers sur l'homme parce qu'il fait bien l'amour, zéro. La femme ne s'accroche pas trop sur l'homme parce qu'il a intelligence, zéro. La femme s'accroche sur un homme. Vous suivez? Qui est attentionné pour vous? Donc si vous donnez 50% de votre attention, ça ne veut pas dire que vous devez toujours être à votre épouse. L'attention voudrait dire quoi? Les coups de fil téléphonique. Même quand vous êtes au travail, un petit coup de fil téléphonique, ça rassure la femme. La femme est un être qui se retrouve toujours en insécurité. Et je vous dis, si vous manquez cette attention, vous suivez le travail, quand elle va vous quitter, vous allez perdre le travail là. Vous suivez l'argent, quand elle va vous quitter, vous allez perdre cet argent. Je ne vous manque pas. Tout ce que vous allez suivre, sans d'abord mettre l'attention sur la femme, sans lui donner son attention, vous allez perdre cela. Et rendez-vous pour les flasques. Je connais les flasques de la séparation. Quand j'entends les gens dire qu'ils vont se séparer, je leur tire un coup de chapeau. Je vous assure, merci à vous. Que Dieu bénisse les mariages. Que Dieu bénisse les couples qui sont en difficulté. Et surtout, chers hommes, je vous ai partagé le secret, c'est l'attention. Merci et bonne journée à tous. Ciao. To be true, I need it be something. Yes, I love you. I have so many brothers in America. They will send me money so that I go give to you. Anna, I love you, baby. Give me something so that I can buy you telephone. You pay to do so like